tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, c'est une vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait déjà un petit temps que j'en ai plus fait une, donc je me suis dit c'est parti, on va en faire une. Et aujourd'hui donc j'ai décidé de vous montrer tout ce que je mangeais sur la journée. Alors vous avez vu déjà le petit déjeuner, puis évidemment c'est toujours mon œuf tous les matins. De temps en temps je change et je mange des flocons de sarrasin comme je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui donc je vous ai proposé un œuf mollet. Je les adore. Ici la cuisson j'ai un peu... c'était un peu limite, j'ai eu du mal à l'éplucher, donc vous voyez il s'est un peu cassé. Mais il était bien coulant au milieu, donc ça c'est le principal. Le pain que j'ai utilisé aujourd'hui c'est toujours mon pain sans gluten fait avec le mix B Char. Aujourd'hui par contre j'ai mis un petit peu de mix pour pain intégral Nutri-Free, donc j'ai un peu modifié la recette mais c'est toujours la même et elle est délicieuse. Et évidemment mon café immanquable, je bois un café tous les matins, je me réjouis de me lever rien que pour boire mon café et après manger aussi à midi. Donc après je me ferai aussi un petit café, je vais pas vous le montrer parce que voilà, un café c'est un café, mais j'adore. Et ce matin d'ailleurs j'ai mis l'Alpro Vanille qui est délicieux. Et donc aujourd'hui j'ai fait une petite soupe de pois chiches et de petits pois. C'est un mélange des deux parce qu'en fait ils m'en restaient, je les avais ouverts hier. Et donc je me suis dit je vais faire une petite potée, parce que bon c'est plus une potée qu'une soupe, hein. C'est super épais, vous avez vu. C'est comme ça que j'adore. Maintenant vous pouvez rajouter un peu d'eau si vous voulez, d'eau de légumes aussi. Et ici donc j'ai aromatisé un peu avec du romarin que j'ai dans mon potager, donc juste délicieux. Du poivre évidemment, et à cru de l'huile d'olive, parce que ben, l'huile d'olive c'est la seule matière grasse qu'il y a ici, donc il fallait quand même un peu de matière grasse. J'ai quand même mis une carotte parce que j'aime bien un petit peu plus sucré. Et voilà, donc ici on a une super potée. C'est en fait assez consistant parce qu'il y a plein de protéines avec les pois chiches et plein de bons nutriments avec les légumineuses, pois chiches et petits pois. Donc vraiment une petite soupe légère, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. J'adore cette soupe. Ben moi je vais déguster ça et je vous retrouve donc pour le repas du soir ou un petit 4 heures. Je vais voir si je me fais en 4 heures, je vous le montre. Sinon on se retrouve ce soir pour le repas du soir. Vous avez vu, j'ai fait un magnifique plat de spaghettis avec des choux-fleurs, avec du radic, de la viande hachée. Donc ça a vraiment l'air super bon. J'ai mis un peu de concentré de tomate et j'ai laissé donc mijoter le tout pour que ça réduise. Et alors j'ai cuit les pâtes. Alors c'est les nouvelles pâtes bio Char, les pâtes aux céréales. Donc je me réjouis de goûter aussi et je vous dirai si c'est bon. Je suis vraiment trop contente, le plat a l'air trop bon. Alors c'est vrai que les choux Bruxelles, tout le monde est pas fan. Moi en fait j'en mange pas souvent, à vrai dire. Il y a quelques jours je les ai mis en magasin et je me suis dit tiens, c'est vrai que je fais pas beaucoup de choux Bruxelles, mais j'adore tout ce qui est choux-fleurs, brocolis, etc. Donc, je me dis pourquoi pas, et à vrai dire j'aime beaucoup, donc je vais en manger un peu plus souvent en fait. Donc voilà ici mon plat de pâtes sans gluten évidemment, et vous avez vu donc tout ce que j'ai mangé sur la journée, et j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc vous avez vu des repas assez simples, j'essaye toujours que ce soit très simple et qu'il y ait tout dedans, donc que j'ai les féculents avec les bonnes graisses, donc avec les lipides et évidemment les protéines, super importantes. Donc ici je conclue avec ce plat qui est un peu plus bourratif que leur pâte de midi. Dites-moi donc si vous avez aimé ces 3 recettes, dites moi si vous allez les refaire, si vous les avez déjà refaites. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime à la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos. Alors pour la vidéo de la semaine prochaine, il y a une petite surprise, parce que la semaine prochaine c'est
mon anniversaire. Alors je prépare une vidéo spéciale anniversaire. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Plein de nouveautés aussi pour le mois de décembre. Donc vraiment restez connectés et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. A très vite.